Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, je vais aborder une variante que je crois ne pas avoir encore abordée sur la chaîne, qui est le Sudoku anti-diagonale. J'ai récupéré une grille sur le blog de Bastien Vielgem, et pour ainsi dire, Bastien Vielgem, dans le monde du Sudoku français, c'est le boss. En gros, c'est notre grand maître international qui a déjà fini sur le podium du championnat du monde. Et qui, en plus d'être excellent en termes de résolution de Sudoku, est également excellent en termes de conception de Sudoku. Alors, la formule de Sudoku anti-diagonale, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est une grille de Sudoku, hein, avec les 9 blocs 3-3 habituels, les règles habituelles. Et vous notez qu'il y a les diagonales qui sont notées en pointillés. Et sur ces diagonales, il y a exactement trois chiffres distincts. Alors évidemment, les trois chiffres qui sont là sont forcément distincts, mais ça signifie que les trois chiffres qui sont là sont exactement les mêmes, et les trois chiffres qui sont là sont les mêmes également. De même, sur la diagonale, on a trois chiffres ici, trois chiffres là et trois chiffres là. On peut voir qu'il y a forcément un chiffre en commun entre les deux diagonales, mais que ces deux chiffres sont différents de ces deux chiffres-là, donc ça concernera au total cinq chiffres. Alors je précise que ça m'est déjà arrivé de plancher sur des grilles de ce type et en général j'ai eu quelques difficultés. Sur le blog, Bastien précise que cette grille n'est pas très facile. Il ne dit pas qu'elle est extrêmement difficile. Il dit juste qu'elle n'est pas aussi facile qu'on pourrait croire. Et je ne sais pas tellement pourquoi on pourrait croire ça. Peut-être parce qu'il y a pas mal de chiffres qui sont donnés. Je regarde. C'était 8, non, il y en a 22, c'est pas tant que ça en fait. Bon, on va voir, je vais me lancer. Alors, déjà, je remarque qu'il y a des raisonnements de Sudoku standard, comme ces 3 et ce 3 qui me donnent un 3 ici. Je vais voir d'abord ce que je peux faire dans le genre. Ce 6 et ce 6, ça me donne un 6 parmi ces deux cases. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est pour chaque diagonale, voir quels chiffres sont certains, quels chiffres sont certainement exclus. Par exemple, sur cette diagonale-là, on sait déjà qu'il n'y aura pas le 3, le 6 ni le 9, ce qui laisse encore pas mal de possibilités. Je vais noter les autres chiffres a priori. Pour l'autre diagonale, on a déjà exclu le 3, le 4 et le 9. 3, 4 et 9. Et on verra ce qu'on peut exclure d'autre. Pour le moment. Ah ben voilà, tiens. 9. J'ai un 9 parmi ces deux cases et je sais déjà qu'il n'est pas sur la diagonale. Donc j'ai un 9 ici. Et ensuite, on va parler du Sudoku standard, j'ai un 9 là. Est-ce que je les ai tous? Pas encore. J'ai un 9 par. Ah ben, avec le même raisonnement, puisque avec ces deux 9-là et le 9 n'est pas sur la diagonale, je peux placer un 9 ici et le dernier 9 est là. Bon, je dois avoir des choses similaires sur le 3 qui n'est sur aucune des deux diagonales. Oui, 3, 3 et 3, j'ai un 3 ici. 3, 3, 3, et il n'est pas sur la diagonale, donc j'ai un 3 ici, qui me donne un 3 là, un 3 là, et ça y est, j'ai placé tous les 3. Maintenant, ce 4 me donne un 4 dans une de ces deux cases. Et 4, 4, j'ai un 4 ici. Et donc sur cette diagonale-là, je sais déjà que je n'ai pas le 4. J'aurais presque noté ceux dont je suis sûr qu'ils ne sont pas sur la diagonale. Parce qu'après tout, donc si je continue d'utiliser le fait que le 4 n'est pas sur la diagonale, entre ça, ben ça, c'était déjà fait. Donc j'ai le 4 parmi ces deux cases. Le 4 n'est pas là ni là. Donc il va être. Ah, il n'est pas sur cette diagonale non plus. Il n'est pas sur la diagonale non plus. Donc j'ai un 4 ici. Ici et là, en utilisant donc les incidences.
Non, 4, 4, j'ai un 4 parmi ces deux cases. Et donc j'en ai fait le tour pour les 4. Et ça se décidera plus tard. Ce 8, j'ai un 8 parmi ces deux cases. Et par conséquent, j'ai un 8 parmi ces deux cases. Là, ça commence à être assez critique, parce que si j'ai le 8 ici, ça voudra dire qu'il est sur les diagonales. Donc en particulier, je l'aurai ici ou là. Je l'aurai dans une de ces trois cases. Je l'aurai aussi ici ou là. Je l'aurai ici ou là. Bon, pour le moment, ça paraît un peu tôt. Ah, je note quelque chose avec le 6. Le 6 n'est pas là-dedans. Donc sur cette ligne, il est quelque part là-dedans. Donc forcément, avec les notes que j'ai mises, il est là. Ce qui veut dire que le 6 n'est pas sur cette diagonale. Ah, ça, c'est bien. 1, 2, 5, 7, 8. Donc je sais maintenant que sur chacune des diagonales, les chiffres sont parmi ceux-là. Donc les 5 chiffres qui sont là sont 1, 2, 5, 7, 8. Donc le 8 est au moins sur une diagonale, donc il est au centre. Et je sais donc que donc le 8 est sélectionné sur chacune des deux diagonales, et je vais devoir répartir 1, 2, 5 et 7 sur les diagonales. Et le dernier chiffre qui n'est pas dessus, c'est un 6, donc ici c'est forcément un 6. Ici c'est 2 et 7. Et il me reste 4, 5 et 6. D'après ce 6, j'ai un 6 ici. Donc c'est un 4 là et un 5 là. D'accord, donc ça c'est un bon point de départ. On peut voir que là-dedans, il n'y a pas de 7, donc je vais avoir un 7 parmi ces deux cases. Évidemment, je ne sais pas encore sur laquelle des deux diagonales il se trouve. Inversement pour le 5. Dans cette colonne, il me manque 5, 6 et 7. Donc ici, c'est 5 ou 7. Je vais avoir le 6 parmi ces deux cases. Et entre ce 6 et ce 6, j'ai un 6 là-haut. Six et 6, je n'ai pas le 6 sur la diagonale, il est là. Donc j'ai un 6 là, et ça me donne donc la présence de ce 6 à cet endroit-là. Je crois que j'ai placé tous les 6, oui. Dans ces trois cases, il me manque 1, 5 et 7. Ouais, donc je vais avoir le 1 ici ou là. Et en fait, la position du 1 sera déterminée par l'endroit où elle se situe sur les diagonales. Là-dedans, en marge du 4 et du 8, il me manque 1 et 2, donc j'ai un 1 ou un 2 ici. Sur ça, il me manque 1, 2, 8 et 7. Donc, 1, 2, 8 et 7, là, c'est pas un 2, ni un 8, ouais, ça, c'est pas le 8. Donc ça, c'est pas 1 ou 8, donc c'est 2 ou 7. Ah oui, le 8. J'ai fait une erreur. Je suis en train de raisonner selon un autre mode. Non, non. Il faut pas que j'oublie que j'ai un 8 parmi ces trois cases. Au contraire. J'ai un 8 parmi ces trois cases. Donc j'ai un 8 ici ou là. Oui, il faut faire attention, pas faire d'erreur de logique. Il y a une autre variante dans laquelle tous les chiffres de la diagonale sont différents, et j'étais en train de mélanger cette logique-là. De même, je vais avoir un 8 parmi ces deux cases. Un 8 parmi ces deux cases. Et je remarque donc que je n'ai pas de 8 là-dedans, donc je vais avoir un 8 parmi ces deux cases, et comme le 8 est sur la diagonale, je peux le placer là. Non, donc ces 8 sont avec cela et avec cela. Et avec ce. Ah, ici j'en ai pas, donc j'ai mon 8 parmi ces deux cases.
Ensuite, dans cette colonne, en plus du 8, il me manque le 2 et le 7. Ici, ce n'est pas un 2. Donc 7 ou 8 ici. Il me manque un 5, 7 et 8 qui sont toutes des chiffres, tous des chiffres de la diagonale. Ce qui est assez logique, je pense que tous les autres chiffres, je les ai placés en fait. À part le 4 Ah mais oh, j'allais dire à part le 4 qui a des ambiguïtés. Mais justement, l'ambiguïté était résolue ici. J'étais passé à côté. Donc là-dedans, c'est 1, 2 et 8. Partout, il me manque ces 5 chiffres en fait. Hein. Tous les chiffres qui sont pas sur la diagonale sont déjà placés. Donc il doit y avoir moyen maintenant de croiser tout ça pour lever l'ambiguïté en exploitant les exemplaires déjà placés, c'est-à-dire le 1 ici et là. Donc le 1 sur la diagonale. Ah mais je ne sais pas s'il est sur cette diagonale, il est peut-être sur celle-là. Donc en tout cas, j'ai un 1 parmi ces deux cases. Ici, c'est 2 ou 8. Ici, je vais laisser un 2, 8 pour le moment. Là-dedans, il me reste 2, 5 et 7. Et d'après ce 5, d'après ce 7, je peux réduire. Ici, c'est 2 ou 5. Ici, 2 ou 7. Dans cette ligne, il me manque 1, 2 et 5. Là-dedans, toujours un 2, 5 et 7. Il y a ce 2 qui me restera à 1, 5 et 7. Comment est-ce que ça va se solder tout ça? Ce 1 et ce 5, ah oui, là-dedans c'est 2, 7 ou 8, donc ici c'est 2 ou 7. Et ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que sur cette diagonale, il ne peut pas y avoir simultanément le 2 et le 7. Donc il y a forcément, ah oui, mais ça je le savais puisque c'est marqué ici, que j'ai au moins 2 ou 7 sur cette diagonale. Mais tout de même, donc j'ai 2 ou 7 sur cette diagonale, et je ne peux pas avoir les deux. Il veut dire qu'en dehors de la diagonale, j'ai un 2 ou un 7. Je pourrais avoir un 7 ici, auquel cas j'aurais 2 ici, 2 là et 8 là, ce qui est cohérent. Là-dedans, je n'ai pas de restriction sur le 1 et le 2, hein, j'ai seulement cette restriction-là sur le 7. Là-dedans, j'ai pas de 1. Ouais, c'est normal, ils sont par là. Alors je vais noter ici, c'est 1, 2 ou 5, ici aussi. Au-dessus, c'est 1, 2 ou 7, forcément. Je tourne en rond, hein. J'ai pas envie de faire ce qu'on appelle bifurquer. C'est-à-dire dire, tiens, je vais essayer un chiffre ici, on va voir ce qu'on en déduit. Ça peut marcher, hein, mais je trouve pas ça très satisfaisant. Là-dedans, j'ai un 1. Oui. Donc, ici, je suis sûr de ne pas avoir de 1. Sur cette ligne, s'il y a un 1, il est ici ou là. Les interactions avec ça sont pas simples. C'est plus simple dans la formule Sudoku diagonale. Alors.
Qu'est-ce que je peux trouver comme logique? Le 7 est soit là, évidemment. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai l'impression qu'il ne peut pas y avoir de 7. Je crois que c'est correct, hein. Si j'ai un 7 ici, si je mets un 7, même ici, non, ici, il peut y en avoir un. Oui, si y a un 7 ici, le 7 est là. Si je mets un 7 ici, ça condamne le 7 dans ces deux cases-là, donc ça en met un là et ça met le 7 sur les deux diagonales, ce qui est impossible. Donc ici, je ne peux pas avoir de 7. D'accord, donc le 7 est soit ici, soit là. Mais ça me laisse quand même 1, 2, 5, 7, 8. Est-ce que je peux avoir une logique similaire ailleurs? Si je mets un 7 ici, donc il n'est pas là et il n'est pas sur cette diagonale, donc il est là. 7, 7, 7. Auquel cas il est là et il est là. La belle affaire. Si je mets 7 ici, il est là. Est-ce que le 7 ici, le 7 ici, ça me l'enlève ici de la diagonale, ça le mettrait là. Et puis là. Donc là. Je suis en train de bifurquer dans ma tête là en fait. Hein. C'est pas très intéressant. Ici, ça ne peut pas être un 1, mais ça je le savais déjà. Je tourne complètement en rond. Il doit me manquer de la technique spécifique de Sudoku anti-diagonale pour réussir à bien m'en sortir. Si je mets le 1 ici, ça me met ici sur le diagonale, c'est cohérent. Si je mets le 1 ici, ça le met ici. Est-ce que je peux avoir le 1 là? Ah, je peux pas avoir le 1 ici parce que ça l'empêcherait d'être ici, ça le mettrait sur l'autre diagonale. Donc je peux pas avoir le 1 ici ni là. Donc déjà j'ai le 1 là-dedans. Pas sûr que ça me serve énormément, mais déjà j'ai réussi à faire une déduction, c'est pas si mal. Donc j'ai un 1 parmi ces deux-là. Comme ceci. Donc ici, ouais. Donc celui que je mets là détermine, donc par élimination, celui qui va être sur la diagonale. Ah, c'est dur. Si je mets celui-ci, ça met le 1 sur la diagonale ici et ici. Et là. Ah là 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 là, vous êtes peut-être en train de hurler devant votre écran, mais il suffit de remarquer ceci, il suffit de remarquer cela. Maintenant que j'ai plus le 1 ici, si ici c'est 2, 5 ou 7. J'ai pas beaucoup raisonné sur le 5, alors que c'est dans ces chiffres problématiques, c'est un de ceux qu'on avait le plus au début. Exemple, c'est impossible d'avoir un 5 ici. Alors j'explique, si je mets le 5 ici, ça veut dire que le 5 n'est pas sur cette diagonale, mais ça l'empêche d'être sur cette diagonale aussi. Donc ici, je ne peux pas avoir de 5. Donc ici, c'est 1, 2 ou 7. Est-ce que j'ai quelque chose de similaire ici?
Non, je crois pas. Est-ce que j'ai quelque chose de similaire ici? J'ai pas l'impression. Hein. Si je mets le 5 ici, ça va mettre le 5 sur l'autre diagonale, là. 5 ici, 5 là, 5 là, 5 sur l'autre diagonale ici, ça a l'air parfaitement cohérent. Si je mets le 2 ici, par contre, si je mets le 2 ici, ça empêche le 2 d'être sur l'autre diagonale et ça l'empêche d'être là, donc je n'ai aucune place pour mettre le 2 là-dedans. Donc ici, ça ne peut pas être un 2. Je ne suis pas sûr que ça m'avance beaucoup. Si je le mets là, le 2, ça fait 2, 7, 5, 8, 8, 1. Ah oui, ça, je vais le refaire. Si je mets 2 ici, ça met 7, 5. En bas, ça impose le 8. Donc ça met le 8 ici et je n'ai plus aucune place pour le 1. Je crois que je viens de démontrer deux fois que je ne peux pas mettre le 2 ici. Je commence à complètement tourner en rond. Ah non, 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 j'ai prouvé. Non, juste avant, j'ai prouvé qu'il ne pouvait pas être là. Donc il ne peut pas être ici non plus, le 2. D'accord. Donc le 2 n'est pas du tout là-dedans. Il reste juste 1, 5, 7 et 8. Non, ici, c'est juste 1, 5 ou 7. Mais là, on a tout sauf le 2. Peut encore être là. Est-ce qu'il peut encore être là? Si je mets le 2 ici, ça impose le 2 là. Si je mets le 2 ici, je vais écrire parce que je crois bien. Ça va vraiment donner une impossibilité. Bon, je trouve ça assez fastidieux, hein. C'est sûrement pas comme ça que Bastien comptait qu'on termine. En tout cas, là où ça met 5 et 7, donc en bas il reste 1 et 2 dans ces deux cases, mais on sait que le 2 est sur la diagonale. Donc 2 ici, et là ce qui m'intéresse, c'est que dans ce bloc, entre ce 2 et ce 2, ça oblige le 2 à être là, et il est sur les deux diagonales. Ce qui est impossible. Donc si je récapitule, le 2 n'est pas, le 2 n'est pas là, il n'est pas là, donc il est dans une de ces deux cases. Bon, tout ceci est bien fastidieux. Maintenant, je ne sais plus où chercher. Ici, c'est pas 1 ou 2, donc c'est 5, 7 ou 8. Ah, mais c'est pas le 5 non plus. Ça y est. Oh, mais oui. Voyons. Sur cette colonne. Voilà, sur cette colonne, le 2 ne pouvant pas être là, il est là. J'ai placé un chiffre, c'était pas arrivé depuis une demi-heure. Non, j'exagère. Mais quand même. Donc, le 2 n'est pas sur cette diagonale et ça va débloquer des choses. Le 2 est sur l'autre diagonale. Je vais essayer de faire les choses bien. Le 2 est sur l'autre diagonale, donc il n'est pas là. Donc le 5 n'est pas sur cette diagonale. Donc on voit ici que le 5 est à cet endroit-là, sur cette diagonale. Le
2 n'est pas sur cette diagonale. Le 2 est sur celle-ci, donc j'ai un 2 ici ou là. Le 5 n'est pas dessus, donc il est... Le 5 n'est pas sur cette diagonale, donc il est sur celle-ci. Donc je peux l'effacer ici. Je peux effacer le 5 ici. Non, pardon. Justement, le 5 n'est pas sur celle-ci. Par contre, le 5 est sur cette diagonale. Je peux l'effacer. Je peux effacer évidemment ici. Ah bah oui, voilà. Un peu de sudoku standard quand même. Voilà. Donc ça y est, maintenant je sais qu'ici j'ai le 1. Et le 5. Et sur l'autre, c'est le 2 et le 7. Alors ici, c'est le 1 et le 5. Ici, c'est le 2 et le 7. Et j'ai bon espoir qu'à partir de là, le reste se résolve assez directement. Ici, c'est un 1. Alors, allez, que je fasse ça posément. Là-dessus, c'est 1, 5 et 8. Donc, je n'ai pas le 7 ici, je n'ai pas le 7. Ici, c'est le 1. Ici, c'est un 7. Je récupère le 1 ici. Un 5 et 8 là-dedans. Donc ici c'est un 8. Ici c'est un 5. Ici c'est 7. Ici c'est 5. Ici c'est 2. Donc ici c'est 7. Ici c'est un 8. Ici c'est un 2. Ici c'est un 7. Donc. J'ai mon dernier 8 ici, sauf que non, le dernier 8, il est là. Ici, c'est un 7. Ici, un 2. C'est ici. Un 1, là. Le 2 et le 5. Le 7 et le 2. Je crois que ça marche. Enfin ! Donc, j'ai galéré pendant un certain temps pour trouver... comment me débloquer. Et au bout du compte, la clé qui était cachée, c'était cette case. Un raisonnement qui montrait qu'il ne pouvait pas y avoir de 2 dans cette case, et après repérer qu'il n'y avait plus que cette case dans cette colonne pour le 2. Voilà donc quelle était la clé, vraiment là, le point de déblocage de cette grille, qui était quand même bien planqué. Si ça se trouve, il y en avait un autre ailleurs qui était plus facile à voir. Mais ça m'a complètement échappé. Voici donc une résolution de ce sudoku antidiagonale de Bastien Vialgem. Et je pense que j'aurai l'occasion de proposer d'autres grilles de Bastien dans de futures vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.